Hi guys, now we're here at the church where the funeral for Alex is going to be, and we're going to go inside and see his last, then we're going to say our last goodbyes. Abbé, notre abbé, c'est notre abbé. Alex Tsundi, merci notre ami, merci vraiment. Tu es parti, moi je te dis merci beaucoup. Mama ayebisa kinga, mama eti mukulunga na botamaki vraiment. Kasi mokolona kokende o ye ayebiata ngoteo, ayebiata yangoteo o o o ayebiata yangoteo. Papa lobela kinga toza kaka papa ya. Quand j'ai repris ma sixième année, j'étais tellement déprimée au point de ne plus continuer mes études. J'ai pleuré tellement et l'abbé Alex quittait une paroisse pour une autre paroisse juste pour venir me rendre visite, juste pour venir se rassurer que j'étais partie à l'école pour venir me réconforter. Et il le faisait chaque jour, je dis bien chaque jour. Une fois, je lui ai même posé la question de savoir, mais monsieur B, vous vous fatiguez pas de me rendre visite, vous vous fatiguez pas de quitter très loin comme ça juste pour venir me rendre visite? Il m'a dit, tout ce que tu viens de me dire, la pirette, reprends-le, mais en m'appelant Yalex. J'ai reposé encore la question, je lui ai dit, Yalex, mais vous vous fatiguez pas de venir me rendre visite chaque jour comme ça? Il m'a dit, comment est-ce que tu m'appelais? Je lui ai dit, eh bien, je vous appelais Alex. Il m'a dit, eh bien, voilà, je suis ton grand frère. Mon souhait est que tu ailles mieux. Alex, que ton âme repose en paix. Ngai komola ngai abe héritier Mbulu Mbualem. Naza sangu ya diocèse à Kenge na Congo démocratique. Naza étudiant na Innsbruck na province ya Tirol. On a Autriche. Na ebagi sango Alex kaka tukutani mbala moko, mais impression apesa kingaye zaki impression a sango moko malam sango moko to pe sango moko alina ki batu mingi azo seka na batu nyonso azo yamba yo ndeti ukutana deja kala yango ezalaki pasi mingi na sepelaki koya kokabula pasi wana. Na Autriche, tozalaki misato, tozalaki 4, bongo tozalaki misato.
ape mana boboto nzambe ayamba ye ayamba molimo ya musali wa ye pe apesa ye kimia apesa ye récompense oyo alaka kisi. Moi c'est l'abbé François Makatala, prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa. Présentement je suis en France pour les études. Bon, qui sont déjà entamés et je suis curé d'une communauté de paroisses. Je suis prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa et j'ai connu Abbé Alex au séminaire. Nous avons évolué ensemble et nous avons travaillé au grand séminaire, moi comme directeur spirituel, lui comme économe du séminaire. Et nous nous sommes séparés en 2009 puisque je suis venu aux études et lui aussi... est venu ici en Autriche pour parfaire sa formation. Voilà. Tout au long de ces 4 ans passés ici, nous avons eu des entretiens amicaux, nous avons eu des contacts réguliers pour pouvoir échanger sur notre ministère, mais aussi sur ces projets de recherche. Qu'est-ce que je pourrais dire, qu'est-ce que je garde de l'abbé Alex? J'ai retenu 5 aspects. Abbé Alex était un homme de foi, une foi profonde. Il croyait ce qu'il professait et il vivait ce qu'il professait. Il savait partager son expérience de foi à toutes les générations. Deuxième aspect, l'abbé Alex était un homme vivant qui savait partager sa joie avec tout le monde. D'ailleurs, au niveau du diocèse et du clergé, tout le monde retient sa joie de vivre. Troisième aspect, Abbé Alex était un homme qui savait se cultiver intellectuellement. Tout le monde sait que c'est un confrère qui avait vraiment du temps pour sa culture, pour sa formation. Il était passionné de la théologie et surtout dans son domaine de pathologie. Quatrième aspect, l'abbé Alex savait accompagner les hommes dans leurs difficultés comme dans leurs joies. Il savait vivre des moments avec les autres. Quand il s'agissait d'animer les choses comme il faut, il les faisait. Quand il s'agissait de compatir à la souffrance des autres, il savait les faire. Et le cinquième aspect que j'ai gardé de l'abbé Alex, c'était un homme qui aimait la prière. Déjà au séminaire, nous deux, nous organisions des temps d'intercession pour tout ce qu'on recevait comme demande de la part de nos frères, de nos proches, de nos familles. Lui et moi, on habitait les mêmes couloirs pendant 2 ans. On savait prier ensemble et c'était un homme qui avait ce temps-là pour la prière. À titre personnel, j'ai expérimenté une vraie amitié avec lui. Je me souviendrai toujours quand mon papa est décédé, du début jusqu'à la fin, c'est Abbé Alex qui m'a accompagné. Et ça, je n'oublierai jamais. Jusqu'à ce qu'on était encore séminariste, mais il a tout abandonné. Il est resté avec moi jusqu'à ce que les obsèques étaient clôturées. Normalement, il devait venir cette semaine chez moi, à Strasbourg, parce qu'il avait un projet. Voilà, tout s'est arrêté en cours de route. Qu'est-ce que nous allons dire? On est chrétien, voilà. Il a servi, c'est Dieu. Il a prêché un Dieu éternel. Il a prêché un Dieu qui ne rejette personne. Et surtout ceux qui se sont donnés à son service, que son nom soit à jamais glorifié. Et nous recommandons M. l'abbé entre ses mains, qu'il intercède pour nous et nous prierons pour lui. Voilà tout ce que je peux vous dire sur sa vie. Tiki pasina mitema ayevaka bino ba hoyo bokeda boyebisa ye tiki mawana famiye ayira mawanda tiki ayevaka bino ba hoyo bokeda boyebisa Alex tiki mawana mitema ayevaka ngo notre abbé,
Pour nous, tu étais un frère. Pour nous, tu étais un frère. Pour nous, tu étais un homme. Pour nous, un homme. Pour nous, tu étais un pasteur. Un pasteur. Pour nous, tu étais notre abbé. Notre abbé. Pour nous, tu étais notre ami. Notre ami. Salama kambo sali. Nabiso. Maina miso eko kamika. Tu es parti trop jeune. Alex Atayo Moko. Famille, Dolo Bandengue Ninié. Bonjour. C'est très difficile de parler de l'abbé Alex en pareille circonstance. Je suis monsieur l'abbé Benjamin Ngiama, prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa. J'aimerais partager un témoignage commun que nous partageons aussi avec tous les membres du clergé, mais aussi de ceux qui ont connu l'abbé Alex. Et deux petits témoignages personnels. Le premier témoignage commun, c'est que personne ne peut contester la jovialité qui caractérisait le prêtre que fut notre cher Alex, un prêtre jovial, ouvert d'esprit, mais aussi un motivateur. Et ça, tout le monde le dit. Ses amis prêtres, mais aussi les personnes qui l'ont côtoyé, ses fidèles, ses élèves et ses étudiants. Alors un témoignage, le premier témoignage personnel, c'est que moi j'ai fait l'expérience, en plus de sa jovialité, hein, d'un prêtre qui a été très convivial. Il est arrivé en Autriche en 2017, et moi j'ai été envoyé par le défunt cardinal Mosengo en 2018, et c'est lui qui m'a accueilli, qui m'a présenté la ville de Vienne, et qui m'a initié à la manière de vivre des Autrichiens. Il m'a acheté des rames, des papiers, du duplicateur et tout ce qu'il y avait comme fourniture pour que je poursuive mes études en toute quiétude. Et donc, cette marque de convivialité qui l'a caractérisé pour moi, personnellement, a été un témoignage, mais en même temps un défi que chaque prêtre devrait en principe relever pour savoir le partager avec les autres. Deuxième témoignage, c'est les derniers messages, les derniers textos que j'ai reçus de M. l'abbé Alex, qui datait d'il y a quelques jours. Et dans ces textos, il répondait au fait à un appel que j'avais lancé, mais qui avait été qu'il n'avait pas trouvé sur place parce qu'il avait des célébrations avec les enfants. Alors il m'a dit, Entschuldigung, cher ami, excuse-moi, j'ai été occupé par le ministère et j'avais des célébrations avec les enfants et on pourra peut-être se rappeler plus tard. Voilà. Et finalement, on n'a plus eu le temps de se rappeler. Heureusement que nous avons la foi. Parce que ce qui ont servi le Seigneur et ceux qui meurent dans le Seigneur, on ne les appelle pas de mourants, ils sont des dormants. Et Alex dort. Et nous sommes là pour célébrer son entrée dans une vie nouvelle, renouvelée. Désormais, nous avons un intercesseur, notre ami, que le Seigneur lui accorde le repos éternel, que le Seigneur accorde beaucoup de courage, beaucoup de foi, à sa famille biologique, mais aussi à sa famille sacerdotale. Je n'ai pas oublié toutes les personnes qui l'ont aimé, mais aussi toutes les personnes que lui, Alex, a servi. Que Dieu nous accorde de pouvoir continuer à nous aimer, mais aussi à pouvoir partager le pain avec les autres. Merci. Tu as appelé auprès de toi
puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont abandonnés dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie, que soient-les dans ta vie. Des chartels dans le Congo, mais Congo Brazzaville. Donc, Nayeba qui a bé, Nadoua, Yande, Papi, le jour où il y a Koutana qui naïe, tout seul là qui m'a moqué, mais Nali surpris de Ngobe, Atiki Bissot. Et là, on a le Wakaka qui nous a abattu la boule, mon écoute Yake. Donc, c'est tout quoi. C'était fini. Excusez-moi. Merci. Non, il n'a pas compris. C'est la tristesse. Il est parti trop jeune. C'était belle. Il dit que j'ai reçu le premier jour. Quand il est arrivé, c'est moi qui l'ai pris à l'aéroport en 2017 pour ses études. Mais il n'a pas pu atteindre ses objectifs. Un garçon intelligent. Un garçon intelligent et très gentil, très sympa. Mais nous n'avons pas eu beaucoup de temps de vivre ensemble, malheureusement. Que Dieu le reçoive en son royaume. Le Dieu qui l'a servi puisse se souvenir de lui. Merci. Nous remettons encore cette même l'âme de notre ami, frère Alex Aubin, dans l'espérance que tous qui reposent dans le Christ ressusciteront. Ah, je ne sais même pas quoi vous dire, mais... Vous habitez où? J'habite à côté de Paris. Ouais. À vous, la famille. On l'a accompagné ici. Il est arrivé dans cette paroisse. Oui. Quand il est reparti, il en repart. Et je ne sais même pas... Je ne trouve pas les mots, mais... Maman Maria. En vous, le... Maman Maria. On a la même douleur et la même espérance en Jésus.
il va vous retrouver. Bon, nous, il nous a aimés, mais nous, on l'a aimé aussi. On l'a aimé. Et c'est l'amour, cet amour qu'il a semé partout, qu'il faut retenir de lui et qu'il faut retransmettre, continuer de transmettre cet amour qu'il nous a laissé. Oui. Merci. Chers frères et sœurs, nous avons tous un devoir de mémoire, mais la meilleure manière d'honorer nos morts, c'est de les rendre un dernier hommage mérité. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben alle eine Erinnerungspflicht, aber der beste Weg, unsere Toten zu ehren, ist, ihnen eine letzte verdiente Ehre zu erweisen. Cher bien-aimé Alex, tu es né le 4 août 1977 en République démocratique du Congo. Et le 3 mars 2022, la mort t'a emporté pour ton dernier départ. Lieber Alex Obensundi, du bist am 4. August 1977 in der Demokratischen Republik Kongo geboren und am 3. März 2022 du hast dieser Welt für deine letzte Reise verlassen. C'est pour nous un réconfort de penser que dans ton sommeil, tu vas enfin connaître le repos. Es ist für uns ein Trost zu denken, dass du wirst in deinem Schlaf endlich Ruhe finden. Chers frères et sœurs, nous ne cesserons jamais de le dire. La solidarité, c'est reconnaître amis et frères dans le respect de nos différences. Liebe Schwestern und Brüder, wir werden nie aufhören, es zu sagen. Solidarität ist die Anerkennung von Freunden und Brüdern, indem wir unsere Unterschiede respektieren. La solidarité, c'est aimer, écouter, regarder, même ceux qu'on n'aime pas trop sans juger. Bei Solidarität geht es darum, zu lieben, zu schauen und das zu hören, was wir nicht sehr mögen, ohne zu urteilen. Aussi, nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille durement éprouvée et nous partageons ensemble avec elle ces moments douloureux. Deshalb sprechen wir der trauernden Familie unser tiefstes Beileid aus und teilen diese schmerzlichen Momente mit ihnen. Au nom de la communauté congolaise, nous disons merci à vous tous ici présents. Im Namen der congolesischen Gemeinschaft sagen wir allen hier Anwesenden Danke. Cher bien-aimé Alex Obin Fundi, tu resteras gravé dans nos mémoires. Repose en paix, Alex. Je vous remercie. Lieber Alex Obin Fundi, wir werden dich nie vergessen. Ruhe in Frieden. Alex, tu étais un veilleur, oui. L'année dernière, tu as été frappé par de nombreux deuils et à la suite de ces deuils, tu as échangé. Et tu m'as dit ceci. Il m'a dit de vous transmettre ce message à vous tous Il m'a dit, Carole, tu leur diras bien que je les ai tous aimés, tous. Je leur ai donné beaucoup d'amour. Et je voudrais ajouter, relier ces paroles à Sainte Thérèse, à la petite Thérèse, Sainte Thérèse de Lisieux, qui l'aimait tant, et qui disait ceci. Aimer, c'est tout donner.
je suis ici depuis 2016 pour les études. Je suis congolaise, du diocèse de Kolwezi. Vous appelez comment les gens qui vous connaissent? Je m'appelle Gisèle, sœur Gisèle, je suis salvatorienne. Je suis ici à Vienne et je fais mes études ici à l'université de Vienne, là où l'abbé Alex aussi étudiait. Je présente mes condoléances à toute la famille religieuse du Congo d'ici et aussi vous demandons aussi de prier beaucoup pour lui et pour nous aussi qui restons ici, pour que nous puissions tenir fort. Nous étudions la théologie, c'est pour aider notre pays aussi, donner ce que nous pouvons. Priez pour nous et accueillez-le, accompagnez-le comme vous le faites toujours. Et nous espérons que vous allez l'accompagner dans les prières. C'était l'homme de Dieu. Il a servi son Dieu toute sa vie. Alors vous devez l'accompagner aussi au nom de Jésus. Je présente aussi mes condoléances à l'abbé et au cardinal Ambongo, Fridolin, et tous les diocèses de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. D'avoir donné aussi l'opportunité de venir chercher notre frère pour l'enterrer au Congo. Quand nous serons là, nous ferons de nos mieux pour aussi le visiter dans sa dernière demeure. Merci beaucoup pour tout et pour tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Je suis sœur Gisèle Salvatorienne. Merci. Chers frères et sœurs ici présents et ceux qui nous suivent à travers les liens des réseaux sociaux, nous voulions remercier l'archidiocèse de Vienne qui a accueilli l'abbé Alex pour son séjour d'études. Nous voulions remercier toutes les personnes qui lui ont manifesté des marques et des signes de bienveillance, d'amitié, de fraternité et d'amour. Nous voulons remercier nos pères évêques de l'archidiocèse de Kinshasa, le cardinal Fridolin et ses auxiliaires, ses collaborateurs, pour la marque de sollicitude et la bienveillance maternelle qu'ils ont toujours réservée à notre frère, abbé Alex. Nous voulons leur dire un grand merci pour ces élans naturels. Un grand merci pour, dès lors qu'ils ont appris le décès de leur fils, de leur prêtre, ils ont manifesté un chagrin inconsolable et se sont vite attelés pour que l'abbé Alex revienne le plus tôt possible à la maison, afin qu'il repose désormais au milieu de ses frères. L'archidiocèse de Kinshasa a assuré tout ce qui était relatif à toutes ces démarches. Et nous disons merci à tous les services diocésains pour la promptitude et pour leur savoir-faire. À tous et à chacun, nous vous disons un grand merci. Je vois à Paris. Je salue tout le monde au Congo. Je vais t'appeler monde. Partout. J'ai rien à dire. Amérique, je vois Amérique. Amérique, Afrique, Asie, Europe, partout. Je vous salue. Oui. J'ai rien à dire. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça fait mal? Je t'appelle. Plus mes condoléances. Mes condoléances à toute la famille. Et nous aussi. Oui, nous aussi. Ok. Nous n'avons pas aussi oublié quelqu'un qui, pour nous, de la chasse de Kinshasa, aura été un ange pour ces parisiens. C'est aussi la message qui est resté ici sur place pour assurer tout ce qui est démarche pour que les choses soient organisées, notamment cette célébration, mais aussi ce soir, il prend l'avion pour accompagner l'abbé Alex à Kinshasa. Nous te disons un grand merci et que le Seigneur continue à bénir ton ministère.
alingala yaya. Le kindengi ni ni mute message kindengi ni journal lolo ikozandeni pona yo s'il vous plaît. Liwa ezelo mokwa bien te ezelo mokwa esemote. Premièrement na pesi. Tu vanda na Vienne s'il vous plaît. Ouais ouais na vanda na Vienne comme on a été équipé là na vanda na Vienne. Na bi messe la bien Alex na zo tant ko so anaye. Sur scène na zo présenter ba sincère condoléances na ai na na famille biologique na et puis famille catholique nyonso. Et dans notre diocèse, nous avons porté l'hymne du séminaire de philosophie. Et cet hymne nous reçoit dans les clergés et nous conduit même à la fin de notre vie terrestre. Nous allons commencer d'abord par cet hymne et après nous allons passer aux absents. Donc j'invite les confrères à pouvoir descendre. Aujourd'hui la grande fête que nous avons tant attendue, le moment est arrivé, nous sommes tous très heureux. Oh, 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 oh. Oh.
En signe de respect pour vous, Alex Robinson-Di Bakam, voici cet assent. Qu'il monte devant Dieu avec notre prière. Je peux vous interrompre un peu, s'il vous plaît. Je vais venir, j'ai fini avec une minute. En direct. On a béni, papa, premier serveur. Donc, les Kindanini, comment vous êtes touché? Nous sommes désolés que l'abbé Alex soit parti. C'est un grand frère pour moi. Vous appelez comment, s'il vous plaît? Je m'appelle Benjamin. Vous habitez aussi à Vienne? J'habite ici depuis
depuis 2015. Ok. 137. Nous sommes tristes, il n'y a pas beaucoup à dire. Hein. C'est la tristesse qui nous On a pleuré, ça fait très mal. On a un téléphone à l'homme. Ça fait mal, c'est sûr. On a un téléphone à réserve. Bah non, ça va pas bien. Ok. On a dit à Soukalini, au revoir, ou bien mes condoléances, ou bien mon limoué, qui m'a bien impressionné les années. Le lezam comme ça, là. Ah, ok. Le lezam comme ça, là, mais tout ça, quand même. Je vais sacrifier photo, il y a, pour que nous puissions Alex, prêtre, tout ça, là, qu'il y a, ouais. Atikibiso vraiment nzambe ya yambe na boboto azala ke mona pe malamu ili waye ka surprise vraiment me condolence kaka na famille kuna na kisasa na zona eloko ili ya kulobate vraiment nzamba yambe na boboto azala pe mona boboto ayambe na boboto. Mais c'est Sylvie, donc quand même il est le lundi, quand même il y a dernier hommage là, à Kepé, donc ça va, à Kélemalam. On a mis un peu de Tigalépé, tout en a courage. Le président. Au moins, il y a une vidéo, il y a live, il y a une vidéo, il y a une vidéo. Ils bien tous les deux ensemble, vraiment. Ils n'ont pas si quoi. Aba laisse au message na ye, tu as une estime na ye, donc appelle ma kimia. Aïe, azaï mouto opé sa kimia, tu appelles akena opé ma kimia. Amen. Merci. Yaya, au moins il passe. Ça abonne. Yaya, déjà. Les nanga na mouto. Tu connais Yaya na biso, madame. Et tous les liés. Et koki bongo, moli mona epi ma kimia. Tu as un éloge comme sous ya kolobate, biso topé si batoyon son vote. Et puis, tu as été choqué, tu as touché la disparition de Ndeko Nabiso, papa Nabiso, dans le banini, Leki Nabiso, et là, tu as été vraiment, tu as touché ensemble et après, tu as été mis en aïe. Et là, tu as été mis en aïe. Tu as été mis en aïe ensemble. Papa, moi, en souk, tu as été direct, tu as été mis en aïe, tu as été mis en aïe partout, tu as été mis en aïe. Et là, moi, en souk. Je vois pas c'est les mots il me manque parce que Alex c'était un ami, un frère, un grand frère qui m'a accueilli et qui part. Mais je suis comme chrétien confiant qu'il fait route avec nous, que là où il est, il intercède pour nous et nous, nous prions pour lui, nous intercédons pour lui, pour qu'il nous repose en paix. C'est notre chemin, il nous a précédés, nous sommes en retard de quelques marches, nous allons le rejoindre bientôt. C'est notre route, c'est notre marche à nous tous. Voilà ce que je peux dire. Ça c'est notre messieurs la belle Gaius. Je suis Gaius, prêtre du diocèse de Dieu. Voilà ce que je peux dire, merci. Okay. Merci beaucoup. Thank you.
S'il vous plaît, un mot final, qu'est-ce que vous dites? C'était comment? Vous venez d'où? Vous habitez bien? Voilà. Moi, c'est l'abbé Gustave. Je suis un ami et frère au père Alex. Donc, je viens de Paris. Je suis prêtre à Paris. Et nous sommes là à Vienne aujourd'hui. Nous sommes venus entourer notre frère par la prière et la messe. Le père Alex disait lui-même qu'il avait une relation particulière au Seigneur. Et voilà, c'est ce qui s'est réalisé aussi. Pendant les moments de sa maladie, il a reçu le sacrement de malade. Voilà, il avait reçu la grâce des dieux. Et avant le départ de son corps vers la famille, vers le Congo, la terre de nos ancêtres, eh bien, nous avons prié, nous avons célébré l'Eucharistie à sa mémoire. Cette Eucharistie qu'il avait toujours célébrée dans sa vie, tous les jours. Et nous avons célébré particulièrement pour lui. Nous lui avons confié au Seigneur. Et nous sommes appelés justement à mourir un jour, mais à ressusciter avec le Christ. Et donc c'est dans cette foi en la résurrection que nous avons célébré cette messe pour le père Alex. Et je transmets aussi toutes mes condoléances à toute la famille au Congo, à Kinshasa. Et nous sommes en communion des prières avec vous. C'est un moment difficile que nous traversons tous. Nos cœurs saignent, nos cœurs sont blessés. Mais seul le Seigneur peut nous guérir, peut nous relever de cette douleur. Voilà. Je vous salue tous, vous qui êtes à Kinshasa, à partir de Vienne. Et je vous dis en communion des prières. Kinshasa, Amérique, partout, merci. Je vois là. Kinshasa, Amérique, partout, l'Europe. Et voilà. En communion des prières. Alors, le père Alex vient de partir, mais il arrive demain à Kinshasa. Mm-hmm. Merci beaucoup. Merci. Thank you.
l'hymne à l'amour des dieux. Que dire après cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur? Qui se fera l'accusateur de ceux que Dieu a élus? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera? Le Christ Jésus, celui qui est mort, que dis-je? Ressuscité, qui est à la droite des dieux, qui intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive? Oui, j'en ai l'assurance, ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour des dieux manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. Telle est la parole du Seigneur. Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En ces jours-là, qui précédèrent les déluges, on mangeait et on buvait. On prenait femme et mari jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et les gens ne se doutèrent de rien jusqu'à l'arrivée du déluge qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors deux hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. Deux femmes en train de moudre, l'une est prise, l'autre laissée. Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre maître. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit les voleurs devaient venir, il aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât les murs de sa demeure. Ainsi donc vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Acclamons la parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, quand Abbé Alex venait en Autriche pour sa thèse, très joyeux, il savait qu'il rentrerait avec un titre académique, docteur. Mais là, il ne rentrera pas dans un voyage normal, plutôt en termes de rapatriement du corps. Et nous avons mal, ça nous fait mal. Nous nous posons beaucoup de questions. Pourquoi lui? Pourquoi à cet âge? Pourquoi est-ce que le Seigneur a permis qu'une telle douleur, une telle peine frappe à notre porte? Dans les profondeurs de nos détresses, de nos pleurs, de nos larmes, en tant que chrétiens, une assurance de foi nous rappelle que de toute éternité, nous appartenons à Dieu. De toute éternité, l'abbé Alex appartient à Dieu. Toute sa vie durant, il a compris. C'est pourquoi il a suivi et servi le maître et l'auteur de tout bien. Quand Paul dit «
qui nous séparera de l'amour du Christ? Il a en tête la notion de la terre. Chez les Juifs, la terre était inaliénable. Elle n'était pas qu'un bien économique matériel, mais la terre symbolisait également l'alliance parce que le Seigneur avait promis à leur père de leur donner une terre. Et l'alliance du Seigneur est éternelle. La promesse du Seigneur demeure. À telle enseigne que quand un Juif vend sa terre, il lui était encore permis d'aller la revendiquer après autant d'années selon les dispositions de la loi. Et dans chaque famille, il y avait quelqu'un qu'on appelait un goël, celui qui avait le pouvoir ou le mandat d'aller racheter toutes les terres appartenant à la famille. Parce que de toute éternité, la terre devait appartenir à Israël en signe d'alliance, en signe de promesse divine. Et nous aussi, nous sommes la terre du Seigneur. Par le péché, les diables nous aliènent. Mais puisque nous sommes incapables de nous racheter par nous-mêmes, le Christ a payé le prix fort. C'est le prix de son sang par la croix. Et il nous rachète simplement parce que de toute éternité, nous lui appartenons. C'est pourquoi Paul dit, qui nous séparera de l'amour du Christ? Qui? Même pas notre péché. Parce qu'il n'y a aucun péché qui soit plus fort que l'amour de Dieu. Même pas nos fautes les plus laides, parce qu'il n'y a aucune faute qui soit plus puissante que la miséricorde divine. Voilà notre assurance. Celui à qui l'abbé Alex appartient a décidé de lui ouvrir une nouvelle voie. Qui peut l'en empêcher? A décidé de l'appeler à lui. Qui peut s'y opposer? Et puisque nous savons que tout concourt au bien de ceux qu'il aime, nous lui disons, Seigneur, ta volonté d'appeler très tôt notre frère est dure et amère à avaler. Mais puisque nous savons que la mort n'est pas définitive, puisque nous savons que nous sommes pour une éternité bienheureuse, nous te disons, Seigneur, reçois notre frère que tu as appelé auprès de toi. Avec lui, nous avons chanté, je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr en sa parole. Et nous sommes sûrs que tu donneras à notre frère la vie éternelle. Voilà l'assurance qui nous console. Nous perdons aujourd'hui un frère, mais nous gagnons un ange, nous gagnons une lumière, nous gagnons un intercesseur. Et nous qui restons vivants, soyons toujours prêts. Mais qui peut veiller à tout moment? Qui? Nous savons qu'il n'y a qu'un seul gardien qui ne dort pas et ne sommeille pas. C'est le Seigneur. C'est pourquoi reposons, plaçons en lui notre vie. Pour que quand le sommeil nous emporte, que lui qui veille toujours et qui ne sommeille jamais, nous accorde la lumière de la conscience, nous accorde les jugements de savoir que nous avons mal agi pour que nous retournions vite auprès de lui. Qu'il veille sur notre frère et qu'il veille sur chacun de nous. Amen. Accorde à sa famille biologique et diocésaine la force de vivre ses temps dans l'espérance. Nous t'avons ainsi dit par le nom de ton Fils Jésus, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Baninga bango wana na mawae, famiya ngo wana bakolela, bazoya bako keno kopema. Kasi tu es parti très tôt, ozala kina nou mwana ozala kina nou eleke Alex, il fallait pas où. Vino ba oyo bokenda ebisa apeo atiki sema la mite mao abe Alex notre abe pourquoi mais c'est elle qui nous coupe.
Merci Kaka na ba conseil na yo e sokombi. Merci Kaka na ba conseil na yo o kangi Alex. Alex. We are here at Alex's home. We're going to go in now. Alex, adio. Alex, adio. First, I offer fresh luft. Hi, guys. We're here at Alex's home. This is the place where he used to sit, write his stuff. That was his bureau. This is his office. This is his bed. Post office. And this is where he was sitting and watching TV. The TV is not there because I took it. It is a souvenir for me. It's like before he died, he gave it to me. And this is where he eats, makes food. He does it there. Here is the fridge. It's still cold. Also. And yeah, that is his home. On va partir. Bye. Malobezate, mama. Eloko mususu na lobezate. Abwe bozomona, abwe ezanda koya abe Alex. Ezanda koya yambaki mutu nyoso. Ezanda koyo boye ezalaki na barrière te. Ezanda koyo boye to bandai koya awa. Koya ko salisa e soki azana posa ya likambo. Ako mikanga te akoyebisa te ya ko salisa nga. Yara kolia kolamba nyonso awa boye tala ndako ango yango boye. Siko boye to ye ko kanga biloko. Muta mutema malamu. Moto boyambi moto esengo moto oyo boye alingaki bato buta la chambre na yango ndako na yango cuisine na yango boye tala biloko nyoso ndenge tolongoli tozokanga oya kobwaka ezobwake ma nyoso oza garde robe na ye. Osam sala obebutu. Oza ndaku nae. Oza sal de ben nae. Place bazai ko sukola. Ona toilette nae. Je manque les mots. Les mots me manquent. Muta pesa ka esenga na muto nyoso. Oza ngi maloba ya koloba. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Que le nom du Seigneur soit glorifié aujourd'hui et éternellement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette sainte et divine liturgie, et j'ai prié pour que le Seigneur te garde encore en très bonne santé, toujours fervente dans la prière et un union de cœur avec toute la famille. Je te souhaite un très bon anniversaire. Reste toujours joyeuse, reste toujours affective, reste toujours celle-là qui unit, celle-là qui travaille pour le bonheur de tout le monde.